Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Khalil Zeina. Je suis influenceuse sur TikTok. Mais à part ça, je bricole beaucoup. Bien sûr, je transforme des objets en autre chose, c'est-à-dire je recycle, que ce soit un accessoire de mode ou bien de décoration intérieure ou événement, c'est-à-dire les mariages, les anniversaires, etc. Mais par-dessus tout, j'aime beaucoup le maquillage. Bien sûr, je maquille des mariés et tout, mais là, il s'agit d'un autre monde. Le maquillage que j'appelle tout simplement maquillage de cinéma. Donc, les maquillages où vous allez voir des blessures, des gens qui sont coupés, des traces de balles, etc. Et je maquille aussi pendant Halloween. Et c'est d'ailleurs pendant une fête d'Halloween que j'ai été inspirée par ça, car j'ai vu... Ici, c'est vrai, on ne fête pas beaucoup Halloween, mais moi, j'ai adoré les maquillages qui font peur. J'ai vraiment adoré. Donc, je peux même dire que ça, commencer comme ça, c'est ce qui m'a vraiment inspirée. Je suis allée regarder un tutoriel comment faire ce maquillage. Alors, directement, j'ai essayé sur moi. Et quand je suis sortie, oh là là, panique totale à la maison. Mais alors, je me suis dit, j'ai ce talent, pourquoi ne pas l'exploiter? D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Pendant une fête d'Halloween, alors que j'étais là, je me suis dit, attends, c'est vrai, Halloween, on ne fête pas beaucoup ici. Mais il y avait une fête dans une boîte où on disait que la personne qui sera la mieux maquillée allait gagner une bouteille. Bon, c'est vrai, moi, je ne pense pas trop, je n'étais pas trop dans ça. Mais je me suis dit, ok, pourquoi ne pas aller à cette fête? Mais je me suis dit, je vais montrer ce que je sais faire à ces gens-là. Alors du coup, j'ai pris ma petite sœur, je l'ai maquillée. J'ai maquillé deux autres copines et après, je me suis maquillée moi. Donc, nous sommes sortis, on est partis. À la porte, déjà, on a fait peur à un gardien qui a crié. Alors là, et à l'intérieur, dès que le DJ nous a vus, non. Ils ont tout de suite dit, allez-y, on leur donne une bouteille. Et là, du coup, franchement, c'était bien. On a fait la fête et on peut dire que moi et ma team, quoi. Genre, on était juste ceux qui étaient vraiment dans le thème. Parce que les autres, c'était les casquettes, les trucs. C'était pas... Et puis après, les gens autour venaient. Ils étaient, waouh, bluffés. On me demandait si je portais un masque. Mais après, j'ai dit non, c'est un maquillage. Mais c'était waouh. Et franchement, j'adore ce domaine. Et me voilà aujourd'hui maquilleuse de cinéma.